Ok, c'est bon, j'ai démarré le record, attends. Encore un Pichu. Ouais, encore un Pichu. Dizai, j'ai deux Pichu sur mon stream, j'ai Linkling et Dizai. Et les deux, ils sont aussi explosifs l'un que l'autre. Donc voilà, c'est le... c'est voilà, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on fait chez nous. Voilà comment ça se passe enfin. Oh là là là. Alors si je m'y attendais à celle-là. Oh, puis le petit Donji qui est caressé. Ah ouais, elle a clairement... Ok, ok, il le touche pas, hein. Ouais. Allez, pas de problème. Encore la même. Non, la même, mais il va pas remonter. Il va remonter. Oh là là. Ah ouais, depuis le buff de depuis le buff du Bed Ridley, il remonte de très très loin, hein, le bon Ridley, hein. Non mais c'est du pain béni pour ce Pichu, là. Il a tellement de zones à venir toucher et à venir comboter. Par contre, ouf, ouf. Qu'est-ce qui se passe? Il revient, pas de soucis. Il revient même avant, il peut revenir comboter derrière, pas de problème. On récupère sur le punish. Par contre, ouais, Arbok qui très très bon pour la DI des Upstro Thunder. Il y a pas de problème. Il se fait pas avoir. Hein. Oh là 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 là. Évidemment, plus t'as de pourcentage au ledge, moins t'as d'invincibilité. Oh là là. Et du coup, tu t'es pris ce F-tilt là. Le F-smash en cover de jump, c'est logique, hein, quand tu viens de tuer, tu jump souvent, bah là, tu F-smash et pouf, tu prends le kill. Est-ce qu'ils ont la shop? On vient comboter. Dommage, ça n'a pas été puni avec ce petit pari. Par contre, le Pichu, il est venu s'empresser de dire comboter directement. On recommence avec des shops. Les dames froids, ils sont très forts, on a encore bien un petit dive sympa sur cette chose là et pas se faire choper par contre. Dans les deux cas, il était mort. Dans les cas. Là, t'as une zone de ciblage qui est aussi grosse que la planète Namek. Donc on est pas mal. Mmh. Ouais, c'est vrai. Par contre, j'ai l'impression que Renzi est parti. Il pensait peut-être pas jouer. Ah bah non. Ah ouais, bah à la limite. Quand il y a problème comme ça, je remplace, en général. Oh mais les joueurs de Pichu, au secours. Pourquoi ils jouent pas Pikachu? Parce que moi j'ai vu Pikachu était en top tier. Pikachu, il est un petit peu plus, comment dire... En plus, il se fait pas mal. Ouais, c'est mal. Disons que il est moins explosif. Il a beaucoup moins de kill power et bah Dizai et Arbok ce sont des, enfin Dizai et Linkling, pardon, j'ai lu Arbok à côté là, mais Dizai et Linkling c'est des joueurs explosifs qui aiment faire ça et Pikachu ça leur convient pas. En plus on peut dire ce qu'on veut, bah Pichu il est plus mignon, du coup si tu veux jouer à un personnage mignon bah tu joues Pichu, c'est logique. C'est logique. Oulala, il y a la balle d'esquive. On a encore failli avoir quelque chose de dramatique dans du stage. C'est très bien récupéré là pour le bon collègue Arbok là qui a déjà un peu plus les devants et c'est déjà un peu plus facile à toucher forcément. Oh là là, c'est punish avec un élan smash côté. Ça vient défendre sur la droite. Il va réussir à le pousser. Il va le toucher peut-être encore une fois. Non, c'est le B qui va venir toucher sur Dizai. Il disait qu'il va bouffer encore. La petite bombinette il place et voilà. Le down encore une fois. On se prépare pour le back air. Down smash encore, pas de remontée, il a bien attendu. Ça a bloqué en pari, on vient cover avec le lance-flamme. Attention, trop tôt. Oh non, je le savais, j'en étais sûr. Arbok il faisait pas assez attention, je savais que ça allait arriver ça. En plus il a raté à la tech, évidemment le B qui explose, qui peut être fatal dans cette situation là. Bon, justement derrière, avec autant de pourcents, on prend la stock sur cette dash attaque là. Et Arbok là, qui va essayer de rattraper, de reprendre de l'avance comme il l'avait fait. Oh non, ah ben voilà. Pas comme ça. Et ben voilà. Et ben voilà du coup. Dizai, tu peux pas nous faire ça. Ah bah j'ai l'impression que si, hein. Oh attention. Attention. À quoi ça t'aurait servi? Attention. Mais non. Oh là 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 là. Deux fois. Ah, je suis si médisant, j'ai parlé trop vite. Ah ouais, tu sais que Dizai il peut encore le faire. Il fait une troisième fois là et c'est fini. Arbok il est mort, hein. Il y a plus de ça, hein. Là enfin faut Arbok il l'arrête d'aller off stage. Tu vois, il veut plus y aller. Bah ouais, il veut plus aller. Là il va faire des F-tilt en ledge trap. C'est très fort, okay. Il va faire du down tilt, il va faire voilà, okay. Du smash. Et c'est tout ce qu'il va faire, hein. Il va plus aller off-stage, j'ai fini, il a compris, c'est pas bien. Ok, voilà, ça, okay. Et en fait, ça sort bien. Hein. Bon, dommage, ici le smash, mais. Alors, no react derrière, par contre, s'est-il endormi? La question se pose encore. Par contre, lui, il en a bien profité pour venir confirmer derrière. Ok, on vient récupérer la distance, il a raison de récupérer la distance parce qu'il a un petit peu peur maintenant là.
Il a déjà un peu plus de pression. On vient choper, on vient delay aussi un petit peu. Alors, c'est encore très très bien rattrapé. Ça aussi, c'est combo aérien, la bonne défense parce qu'il s'est fait avoir trois fois par le même piège tout à l'heure. Esquive chop pour envoyer sur la droite. On cover encore avec lance-flamme. Oh, le allez. Lag! Le lag! Oh, le lag sur la recovery! Sur l'input de B! Oh non! C'est triste. C'est triste. C'est qui compte avec toi? On se retrouve à 15A. Ouais, il y a plein de 2-1 ce soir. Eh bien, mon cher Renard, c'est ce bon Rémi. Hein, c'est ton bon Rémi qui est avec bonsoir. Moi. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas si t'es venu. Non, c'est vrai que tu rentres pas beaucoup dans les conventions, toi. Mais. PTBR, c'est qui? Mais c'est un animateur des stands Nintendo, des Paris Games Week, des Japan Expo. C'est le mec qui te choisit pour venir jouer à Smash en face sur le public. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc, l'enfoiré qui te choisit pas alors que t'as fait le fou tout du long pendant 3 heures. Et qui après vient t'engueuler parce que tu l'as pas choisi. Yes, et moi. C'est lui qui à chaque fin et oh là, Rémi il m'a pas choisi. Ah Rémi, je me suis inscrit sur le Discord des VGC de Pokémon là et il ouais. Y en a un, il m'a écrit dans ma présentation en dessous en commentaire. Merci Rémi pour toutes les 3DS que t'as ralas. Évidemment, un 3DS par Pokémon. Mais t'es plus bon, en Pokémon, ouais, toi. Reparti. Il a repris son Pichu parce qu'il s'est dit bon, on va arrêter les conneries. Ah bah il a vu que c'était très très serré avec son Bowser Junior, avec son Pichu, c'était une destruction des plus totales. Ceci dit, sur Kalos, ça va pas être aussi simple. On va pouvoir. Oh là. Oh là. Oh non, il y avait. Franchement, en vrai, vu la différence de pourcentage, je suis sûr qu'il aurait. Ah oui, non, mais il était safe. Je suis sûr qu'il aura pu tenter un Donner Spike et ça aurait tué et ça aurait reset les pourcentages, ça aurait été parfait pour reset la situation. Bah, il défend bien le bon ami Arbok, attention ça s'est loupé aussi, c'est venu punir juste derrière avec la dash chop et le Pichu qui va bien bas mais qui s'en fout totalement des limites du stage et ce petit down tilt voilà qui va venir faire le café sur cette première stock. Ouais, et ça recommence, Ah évidemment un Ridley qui est un gros combo food, hein, tu vas pouvoir le toucher de n'importe où et de pouvoir l'enchaîner très longtemps. Et ça continue là, tu vois, Dizai qui prend une stock entière d'avance et oh ça va remonter en ouais c'est pas mal soucis, pour remonter en side. Pas de soucis. Oh là là, mais pas de problème, allez, on continue sur les petits paris, on va essayer de choper sur la droite, ça attention, on sait très bien que ça suicide. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais lui aussi ! Oh là là, mais les gars ! Ah là, bah du coup, Arbok est déjà à sa dernière stock. Un fast fall moldave manqué, j'ai pas trop compris, puis l'autre, une influence directionnelle un peu mal dosée, et c'est reparti le Pichu qui remène dans son combo looping. Dizai qui est vraiment... sur une très très grosse phase, Arbok qui a 71% sur sa dernière stock du set. Là, il faut qu'il fasse super gaffe. Il faudrait vraiment qu'il fasse plus aucune erreur pour le remporter ce set parce que là pour l'instant, ça se sentait. Là, ça se sentait. Tu fais regarder le Pichu quand tu es off stage et tu vois directement ce qu'il veut faire quand il va super bas alors que t'es loin. Okay. Il veut vouloir dunbe, etc. Et bon, là, il a pris la droite. Et voilà, il se suicide. Attention, Arbok qui peut faire. Pichu qui a voulu tenter une petite moldaverie. Puis bon, il a raison, il avait une petite stock d'avance. Mais fais pas le fou, mon gars, parce que l'autre il est bien vénère derrière. Il a de la rage en plus. Il a un très gros kill power et Pichu est super léger. Oh, le grab dans le mauvais sens. Oh non, c'est horrible. C'est horrible de voir ça. On a vu deux grabs dans le mauvais sens là. Et... Oh non. Aïe, c'était aïe, de l'autre aïe. Côté. Ah ouais, dommage, il aura pu reprendre à partir de là, mais bon, malheureusement. J'y ai cru. Moi aussi, j'y ai cru. En tout cas, bah, du coup, on va couper le record ici. Ça fait 2-1 pour Design.